Avant de finir dans la neige avec une balle dans le ventre, j'avais à peu près tout ce qu'un homme peut désirer ici-bas. Ok, j'étais un simple vendeur de voitures, mais j'étais LE vendeur. J'étais une poutre pour les miens. Ils s'appuyaient sur moi et ça me plaisait. Et pour finir le tableau, j'avais l'amour. Oui, c'est un type qui pense qu'il a tout réussi, que tout ça, c'est grâce à lui. Il est un peu dans le complexe supériorité, parce qu'il a un bon job, il a une belle maison, il a une belle femme. Il roule dans une voiture de luxe et il est convaincu face à ses frères que lui, il a du caractère et que lui, il occupe plutôt la case winner plutôt que, comme eux, la case loser. Comme si les choses étaient aussi simples à étiqueter et comme si finalement, il y avait des gens qui naissaient avec le sens de la gagne et d'autres avec le sens de la perte. Ce serait évidemment un peu simple. Il a oublié la coïncidence, il a oublié les partenaires, il a oublié la chance, il a oublié beaucoup de choses qui ont dû intervenir. Et justement, c'est en ayant oublié autant de choses qu'il va précipiter sa chute. Parce qu'une fois que son associé va être reconnu comme étant un peu véreux, il va prendre que des mauvaises décisions. Mais je crois que ça va l'amener petit à petit à se rendre compte qu'il a perdu toute forme d'humilité et qu'il va falloir qu'il récupère un peu le sens de la solidarité avec ses frangins, le sens de la famille. Il ne l'avait plus. Il était en pleine crise d'individualisme. C'est bien un homme de son temps. En ce sens que, voilà, il faut tenter d'éliminer les pauvres et les incapables au profit de ceux qui sont des vrais de vrais. Il resterait plus grand monde. Tiens, le dossier de la banque pour que tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils disent j'ai un casier, voilà ce qu'ils disent. Bah oui, t'es pas solvable, c'est aussi con que ça. Et sincèrement, je risque d'être sur la même longueur d'onde, hein. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Pour lui, être un pilier, c'est simplement avoir le compte en banque qui permet de donner la béquille à ceux qui sont encore au nid, quoi. Mais finalement, il n'y a pas si longtemps, un publicitaire de renommée a dit que pour réussir sa vie, il fallait avoir une montre de luxe. Et que si on l'avait pas, on avait loupé sa vie. C'est un peu un Seguela, mon personnage. Il y a qui pense lui aussi qu'il a réussi sa vie. Le problème, c'est que non seulement il ne l'a pas réussi, mais tout ce qu'il a réussi, ce sont des choses qui vont tomber en saccade. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas plus de valeur que ça, elles représentent un standing, une carte de visite, mais en aucun cas un homme. Il y a un moment, il faut se ressaisir. Tu sais, la vie, ça file, hein, sans demander son reste. Mais ouais, et puis je cours pas assez vite. Ça te fait mouiller de nous enfoncer. Attends, rappelle-moi juste une chose, Greg. Qu'est-ce que tu foutais pendant que je me cassais le cul sur mes affaires, hein? C'est moi qui faisais le cador sous les cocotiers? Alors, c'est un tout. Je dirais que c'est d'abord le script qui était vraiment magnifiquement écrit. Parce qu'on a un film de genre, un thriller, mais en même temps, on a un film d'auteur. Donc on est dans une logique et dans une résolution d'énigmes hyper efficace, mais en même temps, on aborde des sujets très contemporains, comme on le disait, l'individualisme, la fratrie, mais aussi l'histoire du couple. Donc ça, c'était très intéressant de voir qu'il y avait une critique de notre société aujourd'hui. Et puis ensuite, j'avais vu son premier film, qui était Une femme d'extérieur, que j'avais beaucoup apprécié. Et puis après, comme à chaque fois, pour ce qui me concerne, je demande avec qui je vais jouer. Et quand on me parle d'Olivier Gourmet, de Louise Bourcoing, de Jonathan Zakaï ou de Bouly Lanner, je sais la qualité de ces gens-là et j'ai envie de ne pas passer à côté de l'opportunité de les rencontrer et d'échanger avec eux. J'appelle. Moi, j'appelle. Non, non. Attends. Écoute-moi une seconde. Une seconde. J'irai plus tard. J'irai voir les flics, s'il y a besoin, s'il y a vraiment besoin. C'est la fin qui justifie les moyens, c'est-à-dire que dans la partition, dans le script, cette Finlande, elle représente quelque chose d'assez exotique, d'assez peu filmé. Cette mer gelée, c'est magnifique. Ensuite, sur la neige et sur les conditions climatiques que vous souleviez, c'est un peu ça que je veux dire, avec la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que quand vous avez ça dans un script, vous dites, ça vaut le coup de souffrir, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'est que je voyais bien à l'image. J'ai pas besoin de me mettre derrière la caméra pour le voir. Je voyais bien avec mes deux yeux qu'on était dans un décor très intéressant. Et notamment, un peu ce dont nous avait expliqué, ce qu'elle nous avait expliqué Christophe Blanc. C'est-à-dire, il va commencer le film en couleur, avec une musique très entraînante, pour finir avec très peu de choses qui soient dites, dans une atmosphère très monochrome, avec vraiment cette idée de dénuement, quoi. Et ça, c'était très réussi quand on est arrivé là-bas. De surcroît, le pays est quand même assez loin d'ici. Donc, on a un choc quand on arrive là-bas. Et ça aussi, c'est une manière de déstabiliser les acteurs.
Et moi, j'aime bien être déstabilisé. Le film n'était pas si facile à réussir. Mais parce qu'en plus, c'est un metteur en scène qui doute beaucoup et qui ne maîtrise pas son sujet. Ce qui est pour nous le meilleur. C'est toujours terrible, c'est les metteurs en scène qui vous disent « j'ai le film dans la tête ». Je lui dis « bah laisse-le dans ta tête, parce que tu ne seras que déçu ». Lui, il n'avait absolument pas le film dans la tête, il voulait le voir se construire avec ces acteurs-là, avec ces décors-là, avec cette équipe-là. C'est comme ça qu'on réussit un film, je crois. C'est quand on laisse le film avoir une vie propre. Qu'on trouve sa vraie et qu'on leur donne. C'est notre seule chance. C'est quoi ton rôle là-dedans? Tu fais quoi? Tu regardes passer les trains? C'est pour rien, moi. J'ai rien à me reprocher. Rien de rien.